J'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Oui, vous allez me voir souvent dans des vidéos habillées, maquillées pareil, parce que c'est une journée off, donc forcément j'en profite pour filmer. Et j'ai beaucoup de vidéos à filmer en retard à cause de mes soucis PC. Donc voilà, on y va. Donc pendant le mois de décembre, j'ai lu L'exquise, ouh ça fait mal, hein. L'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan. Par contre, moi je l'ai lu en version e-book. Voilà. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas pris papier. Je sais pas. Mais bon, c'était pour le boulot, je pensais beaucoup plus pratique parce que là c'est quand même un grand format. Donc c'est aux éditions EH chez Harlequin. Ouais, il est très très joli. Mais bon, je vais peut-être éviter de vous le montrer parce qu'il va vous éblouir. Mais voilà, je pensais que c'était une romance de Noël. Et ben non, je me suis fait lu. Parce que celui-là, clairement, il se passe en été. Mais bon, voilà, je me disais, cette saga-là, cette saga des frères O'Neill, je pensais vraiment que c'était des tomes, voilà. Vu que je pensais que c'était des tomes qui se passaient en hiver, étant donné que ça se passe dans une station de ski. Et ben non. Celui-ci, il se passe en été, donc dans celui-ci, on va retrouver donc un des frères O'Neill. Donc on va retrouver... Comment il s'appelle? Sean. Voilà, Sean qui est médecin. Je sais déjà plus, ça fait un moment que je l'ai lu. J'ai même pas fait d'avis papier, donc... Ouais... Alors là, on va retrouver donc... Le médecin de la famille qui lui vit en ville s'est éloigné de sa famille pour parce qu'il en a il en ressent le besoin d'être éloigné de sa famille pour ne pas se retrouver étouffé par son grand-père, les travaux qu'il a à faire à la station, pour ne pas se faire étouffer justement par cette station de ski familiale où voilà, ses autres frères vivent. Donc dans le premier tome, on retrouvait, comment il s'appelait son frère, je sais plus, Pierre, il est derrière, je ne sais plus où. Donc on trouve un de ses frères qui lui gère la station, voilà, depuis la mort de leur père. Et l'autre frère, il est prof de ski. Voilà. Et lui, donc, il est médecin spécialiste dans l'orthopédie, je crois. Donc, voilà, il est éloigné de la station de ski et vit sa vie de citadin, mais surtout de médecin. Il n'a pas vraiment de vie perso. Il s'attache à aucune fille parce que bah, clairement c'est son boulot qui passe en premier. Jusqu'au jour où il va recevoir un message de son frère comme quoi il faut qu'il retourne à la station au plus vite parce que son grand-père est à l'hôpital. Donc ni une ni deux, malgré qu'il sorte d'une garde de je sais pas combien d'heures, il prend sa voiture et il va à la station voir... comment va son grand-père. Et il va y passer plusieurs jours finalement et il va donner un coup de main surtout à, comment elle s'appelle, Alice, oui, à Alice, la chef des restaurants de la station qui travailler justement avec le grand-père de Sean sur un projet très important pour l'ouverture de la saison d'été. Et du coup, bah, c'est Sean qui va se proposer pour finir ce travail. Il s'est déjà passé quelque chose entre eux et ils se voilent un peu la face. Enfin, on sait qu'ils vont finir ensemble, hein, clairement, c'est très prévisible. Mais ça se lit mieux que le premier. J'ai mieux adhéré à celui-ci que le premier. Le premier, j'avais trouvé beaucoup, beaucoup de longueur. Les chapitres étaient très, 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 très longs. Dans celui-ci, ça s'est mieux passé. Voilà. Donc je sais pas trop. Oui, les chapitres sont moins longs dans celui-ci. Donc je l'ai préféré au premier, pour moi. Mais voilà. J'étais quand même déçue qu'il n'y ait pas de neige.
Mais bon, je lirai le prochain, bah je sais pas trop quand, je le relirai peut-être en été du coup, mais je pense que le prochain ça se passera en hiver. Ça sera sur le dernier frère, on sait tout de suite avec qui ça va être, hein. Depuis le premier tome on le sait, hein. Mais enfin voilà. C'est prévisible, mais voilà, ça passe bien. Ça, sous un plaid, bah là c'est l'été, mais bon, c'est quand même bien passé. Avec un bon chocolat chaud, ou voilà, sur un transat, pour celui-ci, à la plage, ça peut être pas mal. Mais j'ai vraiment bien aimé ma lecture, et ouais. Je sais pas si je vais pas me procurer quand même la dernière saga de Sarah Morgan, justement. C'était. Ça qui, je sais plus, le truc de Manhattan, baiser Manhattan, coup de foudre à Manhattan, ou je sais pas quoi. Enfin, je vous mettrai à l'écran de laquelle que je parle, hein, que je parle bien français. Mais voilà, je vous mettrai ça à l'écran, mais je sais pas si je vais pas me les procurer. Je sais même pas si j'en ai pas déjà un. Mais je pense que je vais peut-être quand même craquer pour celle-ci. Parce que ça se lit bien, c'est sympathique. Quand on ne veut pas se prendre la tête, voilà. De temps en temps, ça fait pas de bien. Non, ça fait pas de mal. Ouais. Bella, elle est en train de se faire le. Mon Dieu. Donc ouais, je valide, franchement, il est vraiment bien. Je vais lire le dernier. Hein, genre comme ça, j'aurai une saga terminée pour 2018. Sinon, ensuite, j'ai lu Y aura-t-il trop de neige à Noël? Donc c'est un collectif d'auteurs. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est la team Romcom. Voilà. Donc il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Moi je connais que Marie Vareille dans la troupe là. Donc voilà, c'est aux éditions Charleston. Vous l'avez vu, c'est forcé celui-ci. Il a tourné sur toutes les chaînes. On l'a vu partout, partout, partout. Donc il n'est pas très très bien noté. Voilà, il est qu'à 14. Et voilà, je comprends. Parce que ça se lit bien, mais il y a. Sur toutes les nouvelles, il n'y en a pas. Il y en a quand même. Non, ça passe pas. C'est pas très plausible. C'est pas très. Non. Ça plaît pas. Donc dans celui-ci, nous avons 6 nouvelles. Voilà. 6 nouvelles. On retrouve ces nouvelles un an plus tard. Enfin, les personnages, on retrouve les personnages de ces nouvelles un an plus tard. Dans 6 autres nouvelles vers la fin. Voilà. Je sais pas si je suis très très claire, mais moi je me comprends. Donc ce recueil de nouvelles. Oui, c'est ça, 12 nouvelles, mais bon, il y en a 6 à l'instant A, et les 6, elles sont voilà, à la fin avec un an de plus, quoi. Donc il y en a certaines, elles sont mignonnes et tout, mais voilà quoi. Donc ça se lit bien, ça se lira relativement rapidement, mais il y en a certaines où j'ai eu du mal à avancer parce que bah, ça me plaisait pas quoi. Et là, à l'heure actuelle, je ne m'en souviens plus quoi. Elle va. Elle me saoule. Bon, et c'est la première fois pour moi que je lisais des nouvelles aussi, c'est ça. Parce que moi je suis habituée à lire des pavés, des livres normales quoi. C'est rare que. Enfin, c'était même jamais arrivé que je lise des nouvelles. Donc voilà, première expérience pour moi. Et c'est sympa parce que c'est court. Et pour certaines nouvelles, vaut mieux. Donc c'est cool parce que voilà, on les retrouvait un an plus tard. Donc pour les nouvelles où on aimait les personnages, c'est cool. Pour les autres, c'était un peu plus. Voilà. Donc oui, c'est pas un livre indispensable, c'est une bonne lecture pour certaines nouvelles. Mais voilà, c'est pas indispensable, vous jetez pas dessus. Voilà. Pour les personnes qui l'ont lu, dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais enfin, je pense pas que ce soit indispensable. C'est sympathique à lire voilà, dans son lit ou dans son bon fauteuil de lecture avec un plaid et un chocolat chaud, quoi. Voilà, pour l'hiver, ouais, ça peut être sympa. Et on sent, voilà, on sent pour certaines auteurs que c'est récent. On a des clins d'œil à Macron, des clins d'œil à Donald Trump. Enfin voilà, il y a des petits. On sent l'actualité, quoi. On sent que c'est récent. J'ai bien aimé une nouvelle de Marie Vareille, mais j'ai moins aimé celle de Marianne Lévy. Voilà, celle que j'ai moins bien aimée, c'est celle-ci.
c'est une bonne aide. Enfin voilà, j'avais du mal avec le personnage principal. Donc voilà, c'est bon sans être. Voilà, c'est bof. Donc voilà, un recueil de nouvelles pour Noël. Si vous savez pas trop quoi lire, vous avez envie d'un truc qui se passe vite, allez-y, mais vous attendez pas un truc de ouf. Voilà. J'ai lu. Ah, celui-là, je l'ai. Ensuite, j'ai lu Charme, le troisième tome des Ombres de la Nuit de Chris Littrell. Non, parce que je l'ai eu dans mon swap à Noël. Donc, bah, j'ai craqué. Je l'avais, du coup, je l'ai lu. Et je l'ai dévoré celui-ci. Enfin, voilà. J'adore, j'adore, j'adore cet univers. J'ai lu Collection Crépuscule qui n'existe plus. Hein, normalement à l'heure actuelle et voilà, elle a eu la chance de les trouver Emmaüs de trouver la saga complète 14 tomes donc voilà trop trop contente je les ai tous donc je vais pouvoir me les enfiler cette année c'est trop 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 cool et c'est trop belle quand elle est trop belle donc saga Pitlit j'ai adoré les deux premiers tomes surtout le premier était très très bien. Deuxième un peu moins, celui-ci très très bien, franchement, oh, ça se lit oh, tellement bien, tellement bien, tellement bien. C'est drôle, ça part en cacahuète, ça, il y a tellement de personnages, on retrouve les personnages des tomes précédents, enfin, c'est super cool. Donc on a des vampires, des valkyries, des loups-garous, enfin voilà, il y a tout plein de créatures du mythos. Et c'est super cool. Et sur fond d'enquête. Donc dans celui-ci, pas enquête, c'est sous fond de quête. Enfin, dans celui-ci, on va retrouver Bowen McReeve, qui est un loup-garou. Et on va retrouver comment elle, Mariketa, qui elle est une sorcière. Donc ils sont en train de participer à la même quête que la Valkyrie et le vampire du tome précédent. Donc voilà, on se retrouve dans la même quête. Du coup, on sait qui va gagner cette quête finalement. Et voilà, leur histoire va se greffer tout autour et on va donc suivre Bowen qui lui veut obtenir le gain de cette quête pour pouvoir ressusciter son âme sœur, son être bien-aimé, voilà, qu'il a perdu il y a plus de 200 ans, je crois. Donc lui, ça fait plus de 200 ans qu'il est tout seul, qu'il n'a repris personne depuis, qu'il n'a. Enfin voilà. Il est grave en manque, le type. Mais c'est. Donc il va participer à cette quête et donc il va être un petit peu épaulé de temps en temps, enfin au début par Mariketa. Et il va ressentir des choses un peu spéciales pour elle. Du coup, il se dit, et elle se dit aussi qu'elle lui a jeté un sort pour. Enfin voilà. Que c'est pas naturel ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, que c'est dû à un sortilège très puissant, enfin voilà. Mais c'est tellement, tellement. J'ai adoré ces personnages. Et je vous ai montré le book haul, il y a un tome spécial sur McReeve, donc j'ai hâte de voir si c'est encore sur le même McReeve ou pas. Et j'ai hâte de lire la suite pour pouvoir savoir où et comment je vais les retrouver ces deux personnages parce que bon, c'est cool quoi. J'ai adoré, mais je peux pas vous en dire plus. Vous savez qu'ils vont finir ensemble, vous savez que voilà, mais il se passe tellement de choses. Ils vont souffrir, les deux vont souffrir. Il se passe des choses de dingue avec tous les personnages du mythos entre les vampires, entre la quête, les êtres vraiment. C'est juste
ouf, quoi, l'univers qu'il y a derrière, derrière cette saga, et j'adore. Donc, je veux que vous conseillez de craquer et de commencer cette saga, même si elle est longue, franchement. Foncez. C'est trop, trop bien. Et ouais, ça se lit tellement, tellement rapide. Finger in the nose. C'est un bonbon. J'adore. Donc, hâte de lire la suite. Et voilà, j'ai trop aimé. Donc, celui-ci, je vais vous dire combien il est noté sur Livre Addict. Comme quoi, je dis pas que de la merde. Comme quoi, je suis pas la seule à kiffer. Hein. Il est noté à 17,2. Donc, voilà. Vous pouvez foncer. Franchement, cette saga, elle est juste trop, trop bien. Moi, j'adore. Donc, voilà. Hâte de lire la suite. Et je sais pas. Je sais pas trop quand je vais me lancer dans le quatrième, mais je vais pas trop tarder, je pense. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu. Ben, je l'ai pas de façon là. Parce qu'en fait, je l'ai acheté ce livre, mais je l'ai offert. Ensuite, j'ai lu Darker, donc de L. James, L. James, aux éditions J.C. Lattès. Donc c'est le cinquième tome de 50 nuances de gris. Donc c'est le cinquième tome avec le point de vue de Christian. Celui-ci aussi, il est très très bien noté, 17,1. Et donc c'est de l'érotisme, c'est les 50 nuances, c'est la réécriture du 50 nuances plus... Je sais plus. Celui qui venait de sortir au cinéma là. C'était cette année ou c'était l'année dernière? C'était cette année? Non, l'année dernière. En 2018, ma fille. Donc voilà, c'est du 50 nuances. Il y a beaucoup de cul. C'est ça le bémol en fait. C'est que voilà, je suis plus habituée à ce qu'il y ait autant de cul dans un bouquin. Et là, c'est. Il règle tout par ça. Sinon, le fond, voilà, c'est toujours agréable à lire. Voilà, l'écriture de L. James, j'adore. Ça se lit tout seul. C'est les échanges de mails, j'adore, j'adore, j'adore. Ça me fait toujours sourire les signatures qu'elle rajoute et tout. Enfin, j'adore. Donc moi, j'adore. Enfin voilà, vous avez compris, j'adore quoi. C'est 50 nuances, quoi. C'est ce qui m'a permis de me remettre à la lecture, comme pas mal de personnes, je pense, et j'aime toujours autant. Là, j'ai hâte que le prochain film sorte, même si je sais que c'est moins bon que le bouquin. Enfin, ça a des côtés positifs, mais il manque tellement de parties que voilà. Mais j'ai hâte qu'il sorte au cinéma, et je l'ai vraiment bien aimé celui-ci. Donc dans celui-ci, on retrouve donc Chris et Anastasia qui viennent de se séparer, hein. Et il va y avoir l'expo de José, nanana. Enfin, j'essaye de vous remémorer un petit peu dans quel contexte qu'on est dans celui-ci. Et c'est dans ce livre-là aussi qu'il va avoir l'accident d'hélicoptère. Toute façon, vous avez forcément lu les 50 nuances si vous allez lire celui-ci. Enfin, sinon. Ça devrait être bizarre quand même de faire l'inverse, commencer par les tomes de Christian. Enfin, je vous conseille pas. Mais je préfère être dans la tête de Christian quand même, que d'Anastasia qui est un peu cucul à praline. Mais voilà. Moi, je dis oui. Je pensais pas du tout qu'elle en ressortir. C'est vrai qu'elle en a sorti un du point de vue de Christian, je pense. Mais je pensais que c'était juste un bonus comme ça. Et finalement, bah. Je m'attends à avoir un autre aussi, du coup. Hein? Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte maintenant. Donc oui, c'est les 50 nuances plus sombres par Christian. Donc oui, j'ai adoré. Je lui ai mis 17. C'est juste le cul qui est en trop, quoi. Mais je l'ai lu assez rapidement, celui-ci aussi. Donc voilà, quand j'aime bien, ça défile, ça défile, ça défile. Ça fait plaisir. J'aime bien. Quand c'est comme ça. Ensuite, j'ai lu les carnets de cerises. Donc de Jory de Chamblain et
Aurélie Néret, donc aux éditions Soleil Collection Métamorphose. C'est juste une dinguerie, cette BD est trop trop belle. L'histoire est juste magnifique. Voilà, Cerise, elle est trop mignonne, toute choupie. J'ai vraiment bien aimé parce que c'est une BD sans être une BD, parce que vous avez tellement de choses. Voilà. J'ai lu un petit peu dans le canapé, il y a Doudou qui me dit, mais elle est bizarre ta BD, ça ressemble pas à une BD. Bah oui, c'est ça qui est bien. C'est tellement. Voilà. J'ai vraiment adoré, les dessins sont magnifiques. Voilà. Les couleurs un peu aquarellées et tout, je trouve ça tellement joli. Donc, ouais. C'est un superbe objet de livre. Et voilà. J'adore. J'adore. L'histoire est toute mignonne. Voilà, je vais vite me lire la suite. Je pense que je vais me la lire en attendant de me les procurer papier parce que bon, ça coûte une blinde quand même. Celle-ci, je l'ai eue via mon swap avec ma soeur. Donc, je vous mettrai les vidéos en barre d'infos, en petit i si jamais vous ne les avez pas vues. Mais bon, accrochez-vous parce qu'il y en a un sacré paquet de vidéos, hein, parce que c'est lâché. Mais voilà, je pense que je vais me les lire sur le PC avant de me les procurer papier, parce que voilà, faut que je les trouve d'occasion. Mais elles sont trop trop belles. Parce que oui, ça doit coûter quand même une blinde. Il y a beaucoup de temps de lecture, enfin quand même. Mais bon, le reste de la BD quoi. Donc j'ai vraiment adoré. Je vous conseille fortement cette petite BD. Donc là, on va suivre notre petite Cerise qui aime regarder les gens et s'inventer des histoires ou deviner ou essayer de savoir ce qu'ils cachent, leurs petits secrets, tout ça, tout ça. Elle va apercevoir un homme qui va sortir de la forêt avec des pots de peinture et elle va essayer de le filer un petit peu et de savoir. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait surtout. C'est juste magnifique. J'ai vraiment adoré. Donc voilà, les carnets de cerises. Mais bon, je pense que vous les avez déjà vus un petit peu partout. Et, trop beau. Merci Serette. Donc voilà pour ça. J'en ai terminé avec mon setup de lecture. Actuellement, je lis Tatiana et Alexandre, donc le tome 2 de la saga Tatiana. C'est un petit pavé, donc ça va me prendre un petit moment pour le lire. Donc voilà pour cette update lecture, et ouais, il y en aura d'autres à venir. Parce que bon, j'aime. Ça va, le mois de janvier commence bien, j'ai déjà lu 5 livres, enfin 5 livres en incluant manga et BD, hein. Mais voilà, c'est bien. Je me suis mis plusieurs challenges aussi, je me suis fixer plusieurs challenges, je vais y arriver pour cette année 2018. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes fixé des challenges de lecture cette année. On verra bien si on arrive à les tenir. Donc je vous fais des bisous et je vous dis donc à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bella, arrête-toi. Bella, en train de jouer avec un post-it. On fait le remake du Royaume. T'arrêtes un peu. Oui, t'es aussi taré que moi, mais là tu vas te calmer. Hein. Tu vas te calmer. T'es casse-couille. Hein. T'es casse-couille. Cache-toi, oui. T'es vilaine. Cache-toi. T'es vraiment pas gentille. Hein. Pourquoi tu fais la gogole comme ça? Hein? Toujours quand bébé il dort. Hein? Puis quand bébé il se réveille, bah, tu vas te planquer. Ah oui. T'es relou. Donc, puis tes poils là. Allez, va te cacher. Va te cacher, vilaine. T'es relou, hein.
been waiting for a life.